Son éminence Robert Cardinal Sarah débute son séjour en terre camerounaise. Après une journée reposante passée dans le silence et le recueillement, le cardinal Sarah a entamé la première étape de son voyage, ce mercredi 3 avril 2024. Pour sa première rencontre, il s'est rendu à la paroisse Sainte-Anne des Phoques, où il a rencontré le clergé de Bala et d'ailleurs. Pendant une heure, le prélat les a entretenus sur la place du silence dans la liturgie. C'était une belle occasion pour ces hommes de Dieu d'écouter ce pasteur pétri d'expérience. Avoir la visite du cardinal Robert Sarah dans notre diocèse, c'est une action de grâce. Et de plus, parce que c'est quelqu'un que nous avons aimé depuis le séminaire à travers ses écrits. Une fois l'entretien terminé, le cardinal s'est remis en route, destination Goya, où il a été reçu par la congrégation religieuse à la salle de l'école théologique Saint-Cyprien de Goya. Pour ces hommes et femmes qui ont consacré leur vie au Seigneur, la présence du cardinal Sarah est un moment d'apprentissage. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui d'écouter son éminence le cardinal Robert Sarah qui nous a instruits. Son enseignement m'a beaucoup édifié, surtout quand il nous dit « Nous sommes pleinement humaines quand nous sommes pleinement catholiques. » Il nous donne un coup de pouce pour nous dire « Allez-y, eux comme patriarches, comme des adultes, ils nous encouragent, nous les jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas, à mener à bien la mission que le Christ nous a confiée. » Après cette journée bien remplie et riche d'échanges, le cardinal a regagné l'évêché de Bala. Son agenda du jeudi 4 avril signale une rencontre avec les laïcs du diocèse de Bala et une visite guidée du chantier de construction de la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel.